La catastrophe a franchi les murs. Des habitations transformées en tombeaux ouverts sur l'avenue Oshoué. Au quartier Moussonneuil, le danger devient inévitable. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Colosi ont causé des affaissements de maisons et toilettes. De crevasses, fissures et glissements de terrain enclavant plusieurs parcelles. Vendredi à samedi. Regardez comment les latrines se sont déjà affaissées. Où irons-nous? Jusqu'à ce jour, aucune autorité de la place ne s'est pas encore présentée sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Cette indifférence et insouciance inquiètent les habitants de Moussonneuil qui décrit cette situation depuis 2019. Avec les minages des communes, allez-vous vous sauver ou bien sauver les enfants? Eux sont en train de construire leur maison à l'étranger et ils sont en paix. Nous ne savons pas pourquoi nos autorités, que ce soit la gouverneure Fifi Masuka ou le président Félix Tshisekedi, échouent d'imposer à Comus de nous délocaliser. Ou bien ils attendent qu'il y ait des morts pour venir intervenir. Ils vivent maintenant avec peur au ventre. Regardez le nombre des enfants qui vivent ici. Nous n'avons pas où aller. Ces crevasses, ces fissures sont causées par les poids des remblais des Comus. Quand il pleut, nous passons des nuits à la Belle Étoile. Nous avons pleuré nos frères et sœurs de l'Est au stade Manika, mais la gouverneure Fifi Masuka ne sait pas compatir avec nous. La délocalisation traîne à venir. Les habitants affligés sollicitent des mesures palliatives. Nos vies sont en danger. Qu'ils nous délocalisent, soit nous amènent loin d'ici, en attendant que le processus de délocalisation s'effectue. Sinon, nous allons tous mourir ici. Entre-temps, le remblai de l'entreprise minière Comus continue à prendre de la hauteur, aggravant ainsi les malheurs de ses habitants de cette contrée.